J'ai une deuxième question sur la méthodologie. Comment s'assurer que la méthodologie, elle est pertinente, fiable et solide, alors que les deux méthodologistes qui faisaient partie du comité scientifique sont partis? Et par ailleurs, pourquoi les magasins sont répartis aussi inégalement sur le territoire français? On n'a pas entendu votre dernière question. Pourquoi les magasins sont-ils répartis de façon si inégale sur le territoire français? Je vais répondre en duo avec Pierre Chandon. Il répondra sur la solidité méthodologique de ce que nous avons proposé, mais je vais répondre, puisque vous y faites allusion, sur le départ de deux personnes du comité scientifique. Alors, il y a deux personnes qui sont parties, personnellement je le regrette, j'ai fait tous mes efforts pour les retenir, mais ce n'étaient pas les méthodologistes du comité scientifique. Je veux dire, il y a énormément de gens dans le comité scientifique, à commencer par mon voisin, dont les compétences en méthodologie sont affirmées, si vous voulez. Ce qu'avait la spécificité des deux personnes qui nous ont malheureusement quittés, ce n'était pas d'être méthodologiste, c'est d'être orienté sur les perspectives de santé publique. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Comment? Pardon? Non, mais il est possible que l'affichage, je ne m'en souviens plus, vous avez certainement raison, il est très possible que l'affichage des spécialités des membres du comité scientifique à l'origine ait mis l'accent sur tel ou tel aspect de la compétence des gens qui avaient été pressentis. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je vous confirme, sans état d'âme, et il suffit d'ailleurs de regarder le CV des gens qui travaillent encore dans le comité scientifique, je vous confirme sans état d'âme que leurs aptitudes et leurs connaissances et les preuves qu'ils ont faites en méthodologie sont impeccables. Pierre, sur la qualité méthodologique de notre rapport, qui, je le souligne, n'a jamais été mis en cause au plan de la méthodologie, alors qu'il est public, diffusé, et que tout le monde aurait eu le loisir d'en critiquer d'éventuelles faiblesses. Donc, si vous avez une question précise de méthodologie, je serais ravi d'y répondre. Il se trouve qu'effectivement, c'est le domaine que j'étudie personnellement. J'étudie l'impact de l'information sur les comportements d'achat et de consommation. Donc, j'ai travaillé aux États-Unis, j'étais à Wharton, à Harvard, etc. Donc, c'est un domaine que je connais très bien. Et j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que sur les 120 personnes dont on a parlé, les 2,2 milliards, etc., finalement, les seuls qui sont bénévoles ici, si j'ai l'impression, c'est quand même Noël Renaudin et moi-même. On fait ça parce que c'est une expérimentation fantastique. La France sera en pointe au niveau mondial sur la santé, et on devrait tous en être très fiers. Moi, personnellement, je suis très fier. Et c'est la raison pour laquelle on a passé beaucoup de temps dans un temps très court pour justement s'assurer que le meilleur système gagne. Après, deuxième question sur géographiquement, si vous voulez, l'important, c'est au contraire que les quatre systèmes soient à égalité de chance. Et donc, en fait, c'est plutôt bien qu'ils soient dans des régions similaires. Parce que si, par exemple, on a une inondation dans une région ou on a une grève ou quelque chose dans une autre région, ça va fausser les réponses. Et donc, en fait, c'est très important que ces magasins soient dans des régions similaires, ne serait-ce que, par exemple, pour regarder l'effet du climat. Totalement. Et donc, en fait, c'est plutôt un plus. Et une fois de plus, si vous regardez les genres d'études qui ont été faites sur les systèmes d'étiquetage nutritionnel, jusqu'à présent, c'est des études très bien, mais c'est un magasin virtuel, un achat hypothétique par 200 personnes, une fois. Là, on va regarder sur 10 semaines et on va pouvoir voir si, par exemple, les gens, il n'y a pas simplement un effet de curiosité, qu'ils choisissent le verre pour essayer, mais qu'ils l'adoptent réellement et qu'ils le consomment réellement. Donc, on va avoir des données fantastiques. Oui, j'ai dit 2 milliards, mais c'est 2 millions, parlant d'anciens francs. Non, mais ces scientifiques sont totalement à côté des réalités budgétaires, on le voit. Mais vous voyez à quel point ils sont désintéressés, c'est effectivement, ils insistent sur leur caractère bénévole, qui est très important à souligner ici. Et l'équipe qui a été construite, je dirais, dans un mouvement un peu de décision du directeur général de la santé, soutenu par le coprésident, était improbable. Je veux dire, faire tenir un comité scientifique en lui donnant une telle échéance et de produire un protocole dans une période aussi courte, franchement, chapeau. Et en plus, sous le sceau de l'excellence, et ça, franchement, c'est quand même oui, vraiment bonjour. Très bien entendu.